Voilà. Comme ça, on est parti en game avec Nautiflus. Comme ça, on va essayer de gérer notre petit Vladimir sur la top lane. Et comme ça, on va essayer aussi de gérer la Shyvana et le Z qui sont en face. Donc, je vais essayer de faire le taf. C'est la première fois que je joue de ma vie. Je n'avais jamais joué Nautilus de ma vie. Et du coup, ça va être assez, assez intéressant à voir. Attends, mec, on y va, on va le chercher, wesh. Dommage. Oh, mais du coup, j'ai pris mon gramme, moi. C'est chiant. Ah! J'ai tenté, par contre pour mon level 1 ça va du coup être un peu ça va être un peu de la merde là. Le trash a commencé au Q-spell, très bien. Et c'est le moment de fuck bot up. Donc là il va falloir qu'il me mette un peu de pression sur la bot lane. La Sivir est partie sur la sauve-sang du guerrier, assez étonnant. La Shyvana est partie sur ferveur de bataille. Donc contrairement à la force d'usage qui est juste beaucoup trop forte en jungle. Donc on va voir. Donc là non, ça devrait être bon. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à passer sur le chat, vous tous qui êtes sur live, et vous tous qui êtes sur YouTube, n'hésitez pas à passer sur le live, tu vois, genre, parce que voilà, vous regardez cette vidéo, mais après cette vidéo, s'il n'y a pas d'autres vidéos qui sont sorties, qu'est-ce que vous faites? Bah vous passez sur le live, et vous passez un bon moment aussi, en espérant que ce soit moi qui live, ou quelqu'un d'autre, seulement vous en avez l'envie, donc ça dépend un peu des horaires, où vous regardez cette vidéo, bien sûr. Donc j'ai un Grave dans la jungle, j'ai un Echo mid lane, Echo je sais pas trop quoi en penser, Jhin Morgana bot lane, Jhin que je vois de plus en plus avec le toucher de feu mortel et qui est souvent joué d'ailleurs par l'ami Reckless qui le joue beaucoup ces derniers temps, même à niveau compétitif il a sorti lors des IEM par exemple. Par contre j'ai bloqué dans les creeps, regardez, il peut pas bouger. Mec, il a perdu tellement de vie. Ah ouais, c'est pas ouf ça hein. C'est clairement pas ouf. Donc je vais essayer de mettre mon shield dans le deuxième seul pour essayer de tenir la lane, donc là logiquement il devrait mettre une petite pression, c'est logique. Nice, en tout cas bon farming ça c'est propre, j'en ai eu un, il en a eu deux. Il a mis une auto-attaque, du coup les creeps vont le taper aussi. C'est chiant quand même hein. Donc qu'est-ce qu'on passif inflige plus? Ah il inflige 8 de dégâts de plus, ok c'est pas mal. Putain, casse les couilles ça. Ok, c'est pas mal. On met une petite pression. C'est une deuxième potion de corruption. Le seul problème, c'est que lui est parti sur un putain de bouclier de Doran. Et au-dedans, il va mousscale. Donc, c'est un problème ça. Donc, en gros, Nautilus, c'est un très bon champion contre les champions AD mêlée. Mais contre des champions range AP, c'est déjà beaucoup plus chiant à sortir. Donc, on va voir comment on le gère. Je vais devoir attendre les gangs du Grave, je pense. Ok, c'est pas mal. On farm. On va devoir reculer. Par contre, là, il est level 3. Il perd beaucoup de vie, mais il push la lane. Donc, du coup, c'est ok. Il est à 14 creeps, je suis à 7 creeps, botlane qui prend 2-0 sur le trade, le heal qui passe bien. Ah ouais mec, mais qu'est-ce qui se passe? Bon bah écoutez, moi j'ai juste me planquer hein. Juste temporiser un peu et attendre qu'on me porte, parce que là bon, je viens de dire que j'ai pas grand chose à faire. Oh putain, choke. Le choker. Je suis un choker, donc là je vais essayer de mettre une pression, donc là je pense que j'ai la possibilité d'aller chercher. Faut juste que je fasse un peu attention. Qu'est-ce qui s'approchera un peu? Ouais, je pense que là il va juste reculer, attention. Faut faire attention quand même. Putain, je rate beaucoup trop le creep. Hein. Oh, celui-là y allait. Celui-là y allait bien ça. Donc je vais attendre 15 secondes. Il a plus son... Ok, ça va. J'attends 15 secondes avant d'essayer d'aller chercher. Je sais pas du tout combien de temps met sa petite piscine de sang là. Donc je sais pas du tout combien de CD c'est. Donc en gros si je peux l'agresser instant, ça serait pas mal. C'est pas mal, on met une bonne pression. Je vais partir sur quand même sur... Sur quoi je pourrais partir en item RM. Par contre là ça m'étonnerait pas qu'il y ait un gant qui se fasse là dans les prochaines secondes. J'ai vu que la Shyvana était au niveau de son blue buff, donc là il faut que je fasse très très attention. Et du coup je vais reculer, je vais TP et ce sera bon. Donc j'aurais bien aimé acheter un peu, j'aurais bien acheté les cendres de Brahmi. Malheureusement je pense que là ce sera pas possible. Je vais me casser les couilles. Ok, je back là, je pense que ça sert pas à grand chose pour moi de prendre des risques. Pour l'instant de toute façon ma team est en train de rouler sur l'équipe adverse. Donc moi je m'en bats les couilles, actuellement c'est juste le clown fiesta, je vais prendre ça, je vais prendre directement first item visage spirituel je pense. Et j'essaie de gérer ça comme ça. Donc ce sera déjà à ça de prix. Ok bon j'ai perdu un petit peu. Donc il est largement devant moi au niveau du farm parce que bon, first time Nautilus, j'ai un peu du mal à gérer les auto-attaques etc. Mais là c'est pas ouf.
trop mal cette merde. Ok, il a quoi comme stuff? Ok, il est parti sur double tome d'ampli. Putain, mec. Attends. Pas mal, donc on profite bien de la poigne de l'immortel. On lui a une bonne pression, par contre ça coûte tellement de mana ce perso, what the fuck mec. J'ai pas signé pour ça moi. Oh dommage. Bah, je pensais qu'il allait réussir Alsen. Est-ce que je peux décaler? Ouais non c'est mort. Je pense que c'est pas possible. Nice, essayer de mettre une pression, ça force l'ignite du côté du Z. C'est bien joué. Ok. Ça, putain il est level 6, c'est chiant. Je trouve que c'est un bon pick quand même, hein, Vladimir face à Nautilus, vu qu'il a une lane assez free. Je peux pas aller le chercher, je peux pas lui mettre une énorme pression. Et surtout, il sustain quand, parce que, à chaque fois que je vais essayer de lui mettre des agressions, donc ça va être assez, assez relou à jouer. Merde. Oh, j'ai du mal de ouf. J'ai du mal de ouf. C'est pas aussi simple de farm avec un Nautilus que de farm avec un Maokai par exemple. Ah oui. Ah oh, c'est bon, il a utilisé son ultimate pour désengage, très bien. Moi ça me va. Moi je voulais pas plus que ça, hein. Genre t'inquiète pas. Hein. Si je mets le Z, ça augmente les dégâts de mes répliques. Bon par contre, le farming les gars, c'est pas encore ça. Ok, j'ai pas grand chose à prendre là. Bon exhaust. Là ça replay. Est-ce qu'il y a son flash? Dommage. Je vais prendre. Mec, il a réussi à prendre un kill. Malheureusement, shutdown. Ok, donc 2 points sur un 3v2. Ça va, on va dire qu'il s'en sort plutôt pas mal. Je suis parti sur le cap du néant. Pour l'instant, on a un Grace qui lui est en train de faire le taf dans la jungle adverse. Donc c'est plutôt bien. Il est parti sur le sabre de Skarmoucheur. Lui est parti sur la lame du tracker. Normal. Midlane, comment ça se passe? Ouais, il outfarm totalement. Moi, au top lane, je me fais outfarm. Mais au final, c'est pas très grave pour l'instant. Vu que, in fine, je vais normalement outscale le Vladimir seulement. Je gère bien en tout cas dans les fights mid. Early, donc en late game on sait que Vladimir est beaucoup trop fort, mais en mid early ça devrait être gérable assez facilement. Donc on va voir. J'essaie de full push là. Mec, j'aime pas comment ça marche ces spells, c'est terrible. C'est mal, j'ai full push la wave. Et il a pas d'informations ici. Donc au niveau de ferme, je suis légèrement derrière comme je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, ça va. J'ai ma TP dans une minute, j'essaierai de la mettre au boss, je pense. Non, c'est rien, ça. Voilà. Ah, ça va, il me touche pas. Irelia, nouveau pick OP. Moyen, quoi. Enfin, et en plus, nouveau. Je viens de dire qu'il a été OP pendant quelques années, quand même, Irelia. D'où la fameuse réplique Better Nerf Irelia, que vous connaissez très certainement. Si jamais vous suivez un peu la scène League of Legends. Vous devez connaître cette réplique. Ah oui, c'est vrai, genre j'aurais pu faire une bannière quand même. C'est vrai que la bannière of command ça aurait été bien, putain, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé, c'était bien vu ça en plus. Oh, ça va être chiant de ouf à gérer là cette merde. Il a du sustain déjà, donc à partir du moment où il a du sustain, c'est chiant. J'hésitais. Ah ok, ça c'était bien raté ça. Donc il va retirer ma pink ward. J'ai ma TP d'up si seulement il y en a la nécessité. Fasse gaffe hein. Il va revenir sur la lane. Je vais pouvoir acheter ça. De toute façon j'ai commencé par ça, je vais du coup finir mes items quand même. Je vais TP top. Ouais, franchement. Je vais TP top pour essayer de le gérer. Ouais, c'est vrai que ça va être chiant. Ça va, honnêtement ça va. Je pensais que ça allait être bien pire que ça. Ok. C'est chiant ça. Le petit dragon qui est venu sur ma gueule. Instant flash out, donc j'ai eu le réflexe de flash out, je sais pas si c'était le bon réflexe ou pas, mais bon au final. Je préfère la jouer safe que la jouer genre en mode bon allez on y va, on s'en bat les couilles. Mais quand même là, on sent quand même qu'il me... Il veut me chercher ce con. Hein.
J'ai pas trop envie de la jouer aggro là. Je suis pas du tout Eshivana, elle peut être encore être au niveau de la top lane et ça peut être la merde. Donc je préfère la jouer tranquille pour le moment. Mets une auto-attaque avec à ton shield, il te reset les autos. Ah ouais, ok, intéressant. Ok, très bien. Merci à toi de cette information primordiale. Allez, va bien me casser les couillons. Ok, ça va. C'est vrai que ça reset les autos, c'est bien. Un mec qui fait que push depuis tout à l'heure et j'ai pas le grass qui vient. Tu crois ça? Ouais, je vais reculer. On met tellement de pression de ouf. Ok, il s'en sort bien. C'est avec quoi que je vais faire ça? Avec quoi je peux faire? Ah, c'est avec ça que je peux faire. Attends, je vais prendre un cristal, je ferai ça après. Donc je vais faire visage spirituel. Ouais, il me faut de l'armure, putain, je suis un connard. Il faut que je fasse visage spirituel, faut que je fasse Sunfire. Après, je ferai Banner of Command. Et au niveau du build, je ferai Gantlet certainement pour avoir encore plus d'armure. Ouais, ça me semble ok. Ça me semble honnête comme build. Allez, on va faire ça. Après, honnêtement, Vladimir, c'est tellement chiant en lane que ça peut gérer à peu près. Ça peut être ok. Après avec Nautilus, tu vois, genre j'ai pu lui prendre de bons trades, le problème c'est qu'il resustain et j'ai pas vraiment le trade pour aller chercher en un trade. En gros Nautilus, non, c'est des trades assez longs, c'est plusieurs trades et c'est ça qui se fait gagner ta lane. Le problème c'est que là, bon bah, prendre plusieurs trades contre un Vladimir, l'utilité est quand même pas mal amoindrie. Tu vois, genre là en gros je peux prendre ce trade-ci, mais après lui il va régène, tu vois, et là ça s'arrête là en fait. Et là, tout ce qu'il va faire c'est essayer de full sustain, chose qui risque d'être assez chiante. Donc là j'ai pris un bon train encore une fois, mais voilà je peux pas aller chercher et il va régénérer avec sa montée des anciens, donc ça va être assez relou. Je pense que j'aurais pu prendre de meilleurs trains en early, mais là maintenant il a juste beaucoup trop de save, ça va être trop chiant. Voilà, j'aurais eu. Je fais de mon mieux là. Ouais, donc là il va juste. Je suis sur ma gueule, j'ai plus de mana. Bon, je suis un connard. Je suis mort. Ah, c'était obligé, tu vois. Genre, en gros, j'ai voulu prendre un trade qui servait à rien. Tu vois, je me suis dit, bon, allez, j'ai pris la confiance et j'y vais. Mais finalement, non. Par contre, botlane, ils font tellement le taf que j'en ai absolument rien à foutre. Donc, en gros, c'est ce que je vous disais. Un peu chier là depuis tout à l'heure. Bon exos placé. Ultimate mis sur le Graze. Oh, il a tellement mal mis. Oh, il a tellement mal mis son move. C'est dommage. Il aurait pu l'avoir, je pense. Il aura pas. Ah, j'ai choke de ouf. Ouais, j'ai pas encore joué du coup le petit Nautiflux hein. Je prends non, pas besoin de prendre ça. Il va me falloir un tabi en vrai hein. Non, il va me falloir un tabi je pense contre leur compo, sachant qu'ils ont quand même Z plus Sivir. Je réduirai en plus les auto-attaques de Shyvana aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que le roi est mieux sur. Eh bien sur Nautilus, je pense qu'il est pas ouf, il n'est jamais fait donc je pense qu'il y a une raison. Il va falloir que je pull push. Et c'est vrai qu'au niveau de la mana, c'est beaucoup plus manavore ce que je pensais. Ok. Pendant que le shield y est. Ok, il met des dots, très bien. Je vais essayer d'aller au mid. Donc en tout cas l'avantage de Nautilus c'est qu'il push très vite. Non, en gros c'est pas ça, c'est juste que moi j'ai utilisé ma mana comme un connard, c'est tout. Je pense que sinon il n'y a pas spécialement besoin d'avoir ça tu vois. En réalité. Il va jamais aller. Et pourquoi pas. Push une wave au mid. Est-ce que le Vladimir va les aider? Parce qu'en gros le Vladimir c'est vraiment leur porte de sortie. Putain,
Putain, je comprends pas mon passif en fait. On va faire flash out là-dessus. Oh merde. Je voulais ultimate, en gros je me suis dit peut-être que ça va le faire. Pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Moi je m'en sors. Mec, ça tank tellement, c'est insane ce pic quand même. En termes de tankiness, par contre, c'est vraiment abusé. Ouh. Nice. Oh, il a pas route. Je pensais qu'il allait le route direct. Là, il devrait le tuer, easy. Je vais prendre de l'armure au pire. De toute façon, l'armure ça me servira toujours. Je vais partir là-dessus. Je vais retourner au top et ce sera bon. Ah, c'était. C'était chaud quand même hein. Je viens de faire une queue de 15, de 13 minutes pour tomber avec des gens qui connaissent pas leur chambre. Ah bah bienvenue sur League of Legends saison 6. Les fameuses 20 minutes de queue à tous les niveaux, c'est vraiment fantastique. C'est le plaisir. Par contre le Vladimir à 2-0. En gros je me suis dit je vais ulti Thresh et comme ça en gros mon ultimate allait bump les autres. Juste que ça s'est pas du tout passé comme, comme je l'ai pensé. Donc là on voit vraiment que c'est le first time d'Utilus hein. Tu sens que t'es un peu perdu quoi, quand je speak. Après le pic reste tout de même très très fort donc bon, pas grand chose à foutre. Donc en vrai t'es censé rush tes items de split de type Zedroth et Banner pour avoir la machine à cancer le plus rapidement possible. Mais en gros c'est faux parce que en gros Alsace maintenant ils ne font plus du tout. Genre les Nautilus ne font plus du tout le Banner contre des Zedroth. Et du coup c'est assez étonnant, c'est pour ça que je me suis dit bah pourquoi partir là-dessus. Si seulement les pros ne le font plus, j'imagine qu'il y a une raison tu vois. Donc, en réalité peut-être que c'est toujours très fort en solo queue. Mais en tout cas à haut niveau c'est pas ouf. Donc je me suis adapté au professionnel voyez-vous. Donc, par contre notre écho est juste beaucoup trop fort hein. C'est possible là faire ça avec Nautilus. Comment tu joues à Nautilus jungle ouais. Putain. Vas-y, tapez-lui dans l'œil. Tranquille, on arrive. Le Z est en train de speed push, je pense que le Echo peut largement le tenir. Oui, même très largement le tenir. On peut aller le chercher là. Non, ils vont reculer. Faut push mid. J'ai un creep. Oh, je suis un monstre. Mec, ce hook. Il était fantastique le hook. Là, je suis vraiment un boss. Donc on a le héros de la faille pour essayer de profiter du push. Oh, les dégâts du crit sur les... What the fuck, les dégâts du crit sur la tour, c'est insane ce qu'il vient de mettre. Non, laisse-moi tanker. Vas-y, tapez la tour le plus possible. Ouais, je suis mort. Ah non, non. Bon route, reculer, ça sert à rien de faire plus. Non, nice, bon route. Ok, flash out en temps. Ça va, il s'en sort. Oh. Mec, mais notre Jin est trop fort. Il vient de lui démonter la gueule, c'était insane. Oh, il nous a mis archi bien. Non, je vais partir sur ça, moi. Je vais quand même prendre une Sunfire parce que bon, au bout d'un moment, bah, je suis pas assez tranquille là pour le moment. Voilà, comme ça sera bien. Donc lui va push au bot, c'est nickel. Donc, je viens de regarder sur Prohibit, il fait encore Zedroth Banner. Ouais mais tu vois niveau LCS etc, quand tu regardes les compètes, il y en a que très peu qui en font. Ouais t'es peut-être en solo queue le font, mais genre c'est vrai qu'à niveau pro ils le font très peu. Ouais j'essaie d'y aller dans le dos. Non, attendez-moi. Putain. Ils ont mis trop de pression, je pensais pas qu'ils allaient push comme ça. Est-ce que je peux en choper un là? Y'a personne, vas-y go. Mec le shield de Nautilus. La blague que c'est. Non, ils m'ont eu. La cage qui passera pas.
Oh là, oh là, oh là, oh là, hop. Mec. Mec. Ah, non, le Riley, il a un Riley. Oh, nice, c'est bon, le passif. C'est bon, ils s'en sortent, s'en sortent. On a pris une T3. Est-ce que le gars peut faire un truc? Il en met tellement cher. Oh. Non, oh, dommage. Hein. Nice. Oh, non, c'est pas bon du tout. Oh, c'est pas bon du tout. Fuck. C'est bon, j'ai ma TP dans. J'ai ma TP dans. Non, j'ai pas ma TP, mais je suis respawn dans 10. Où ça va, flash out, c'est bon, ils peuvent pas faire de lâcheur, c'est ok. Mec, on a trop grid au mid. Notre Jhin qui s'est fait grave, c'était pas ouf. Oh, let's go. Ah. Eh. Ouais. Non, par contre, je peux pas du tout aller chercher la civière. La civière, elle a combien de level 12? Elle a un level de plus que moi, what the fuck? Mais la civière a deux levels de plus que notre Jhin. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'avoue, elle est godlike de ouf, la civière. Elle est trop bien dans sa game. Est-ce que je vais être en mesure de défendre? Faut vraiment que j'attende que la cible arrive. Je peux pas. Oh non, putain. Le choke. Mec, ils ont mis combien de wards là? Mec, il y a combien de wards qui ont été placés? Mal. Je pense pas qu'on puisse faire le Nashor là. On a quand même beaucoup de vision autour du Nashor, mais je pense pas qu'on puisse le faire actuellement. Il y a pas sans nos carry. Je vais vraiment le faire. Oh là là là, ça pue la merde un peu. Il y a shield, il y a shield, il y a shield. Non, la cage, la cage. Non, il a pas pu mettre une cage. Dommage. Par contre, ça fait vraiment office de front lane de ouf, hein, ce pick. Hein. C'est insane la tankiness que ça. Nice, nice, nice. Oh non, les loups sont mis devant moi. Mais non. Mais non. Et du coup, je parais. Mec, on dirait que j'ai fait un move de guillot alors qu'en vrai, mon gars, il était trop bien. On a tué la petite Shivono. Ils vont nous enculer, ils vont nous enculer. Je suis grave pas serein sur ce move. Nice, il a pas pu bouger. Parfait. Là par contre c'est chaud. Je le stun. Nice, nice, j'ai eu une auto. Bon ça va. On leur met un ace, on leur met un ace. Le triple kill du Echo. On va partir maintenant sur ça. Est-ce que je fais une banner of command? Je sais pas si c'est ouf là contre leur compo. Je pense que j'ai besoin d'un peu plus d'armure que prévu. Ah, ils font beaucoup beaucoup de dégâts physiques. Je vais prendre quoi hein? Je vais prendre un gantelet direct. Je vais prendre le gantelet et ensuite je ferai le banner. We don't have QSS yet and it's only. Ouais, seulement 23 minutes. Mais ça va? C'est worse. Ok. Donc, deuxième Drake, c'est pas mal. Moi je vais aller top. Laissez-moi l'XP au top, ce sera bien. Ah oui, ma super. Ah. Yeah. Genre, ouais, c'est vrai, pas con. C'est vrai que là, ils ont encore un peu de vision là. Parce que la pauvre Morgana, elle est un peu seule à l'avoir. J'aurais dû partir sur une super. Vu qu'on a 3 trinkets bleus. The fuck? Le push de cette connerie. Bon, après, j'avoue, heureusement qu'au level 13, je peux être en mesure de dépush des creeps. Et sinon, c'est bien de la merde en plus. Là, ça que SS. Ouh. Il s'est fait démonter la gueule. Il vient de se faire démonter la gueule. Bon, la civière me fait peur. Moi, le seul pic qui me fait vraiment peur là, actuellement, là, dans leur composition actuelle, c'est la civière. Je tourne au top, notre écho est très très low. Oh nice, oh nice. Bien joué le écho qui le tue en 1v1, c'est pas mal. Ouais, c'est qu'on peut pas push de wave. Hein. On a reculé, reculé. Je pense qu'on est pas si mal que ça là. Il faut vraiment que j'arrive à push au top. Le Graves est mort je pense.
Oh, oh, visage de la montagne. Oh, le visage de la montagne qui lui sauve la vie. Vache mid. Est-ce qu'ils vont go for Baron aussi? C'est ça la question. Non, ils vont pas y aller. Vous avouerez qu'en termes de speed push, j'ai connu mieux. J'ai connu mieux comme pick, mais ça reste raisonnable. Okay. What the fuck, mec? La sphère, elle les a tellement dead. Nice ultimate. Vas-y, une auto, mets-lui une auto. Non, il aurait dû lui mettre une auto pour profiter du passif. Oh, il est trop con. Oh, il est trop con, il aurait dû profiter d'une auto. Ah, là, c'est my bad. On aurait pas dû s'avancer aussi loin. Ouais, c'était pas ouf. Je pensais pouvoir temporiser beaucoup plus, mais là, au niveau des dégâts magiques, même ça, il me commence à me faire très très mal. Ok. Ça va. Non, ça, il s'en sort bien. Il y a Sivir et Shivana encore dans l'antre. Ah, il fait chier. On est archi loose. C'est archi loose. Oh, ultimate pour se replacer, bien. Petite smoke screen, ça va. C'est pas mal. Ok, c'est bien. Mec, le Graves est en train de faire un taf de ouf. Nice. Pas mal. On a combien, tu veux combien? 3. 3 qui avaient le buff Nashor, ça va. On va dire que c'est honnête. Pushons vite. Putain mec, c'est tellement la merde. Cette game mec, je suis à fond dans ma game, c'est la crise au mic. Oh non. Il est archi mort. Tue-le. Nice. Nice. Bien joué ça. Oh, la Sivir fait tellement le taf. Elle a 11-4-13. What the fuck mec. Elle nous a démonté la gueule là. Oh, what the hell celle-ci. Et donc là ils vont essayer de push mid, ils ont encore un buff Nashor donc ça c'est chiant. On a 30 secondes, on va devoir leur laisser je pense un inhibiteur. Est-ce que j'ai mon gantelet? J'ai mon gantelet. J'aimerais faire une côté pineuse en fait contre cette Sivir. Je pense que ce serait pas mal quand même une petite côté pineuse. Quoi faire comme ça? C'est mort. C'est mort mec. J'ai eu peur. J'arrive pas à avoir peur, putain. Allez, mais tuez-le! Vite ma mère! Non! Moi j'ai choke de ouf là. Oh, je suis parti sur un choke, il est incroyable. Oh là 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 là. Non! Oh putain! Oh mec, j'ai mis une encre dans le mur. Elle était terrible. Elle était... Putain de merde. Jamais j'ai le droit de faire ça. Frère. Je suis à 2-5-10, ça va. On va dire que c'est ok. C'est pas fou, mais c'est ok. Ok, donc troisième Drake, là, ça peut être bien. Qu'on attend d'ici. Mec, on aurait tellement dû attendre ici. Mais faites lui manger, c'est bon hein, lui.
Mais putain de merde. Ah, je peux pas faire plus là. Là, genre vraiment, je me suis fait démonter la gueule. Oh là 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 là. Alors là, on a. Voilà, on a perdu là. On a pris un inhib, mais ils vont être en mesure de push large. 30 secondes avant Jin. Jin s'est fait détruire la gueule. Est-ce qu'il a encore sa QSS? Je sais pas trop s'il a encore sa QSS, mais bon, dans tous les cas, ça ne change pas grand chose. Au niveau des dégâts infligés, c'est plus le. Ouais, c'est clairement le... les dégâts physiques. Il faut vraiment le côté pineuse. Je vais partir là-dessus, ce sera déjà bien mieux. Ouais, je prends ça. Mais je pense que là, il y a de chances que ce soit terminé. Non, 15 secondes. Non, ça va, on s'en sort. Putain, mec, le Tulle, c'est ok, c'est fort, mais putain, j'ai du mal à jouer. En gros, c'est tellement pas mon playstyle. Que genre je suis en galère de ouf. La Sphere a 4 levels d'avance. Mais comment c'est... Comment c'est possible? Il a 4 levels d'avance la putain de sa race. Il va falloir un peu d'XP moi. Fais plaise. Ils ont pris leur premier dragon. Ils ont le game qui est monstrueux, hein, vraiment. Et le pire, c'est qu'en botlane, ils avaient marché dessus. Mais là, on se fait défoncer la gueule parce que, je sais pas, on a throw, on leur a laissé des kills et tout. Donc c'était pas très malin de notre part. Notice, c'est pas beau jeu comme Riven aussi, c'est normal. C'est vrai que c'est pas beaucoup beau jeu. C'est pas le pick le plus beau jeu que je connaisse. Faut au moins que je passe level 16 là. Z est encore là-bas, donc ça va. Ouh, le Z est seul, hein. Le Z est parti là-bas, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Ouh, le bon Black Shield quand même. Ok, donc là faut lui laisser le temps d'aller acheter sa BT, y'a pas de problème. Achète ta BT. Ah, par contre, la Sivir a 273 crit. Notre Jin n'en a que 159. Ouais, il peut avoir que 159 crit. C'est insane ça! Quand je peux être le plus haut level de notre équipe? Alors que j'ai fait que de la merde depuis le début, c'est terrible! On va mettre une petite enquête ici. Faut attendre, faut qu'on se groupe, hein, faut qu'on se groupe. Reculez, reculez, faut pas se faire catch. Hein. Parfait. Faut attendre l'écho, faut attendre l'écho. Non, j'essaie d'y aller là, j'essaie de stun la Sivir, j'ai réussi à stun la Sivir, mais pas suffisant. Oh, oh, mine de rien, petit écho là. Oh, bon Black Shield quand même, enfin bon Spell Shield qu'il vient de nous mettre. La Sivir met combien là? Elle m'a mis 600. Ouais. Mouais. Nice route, nice route. Les gars, ça c'est le kill. Oh non, 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 mourrez pas. Nice, bien joué, 2 points. Got Tipeee, 30. Faut juste réussir à tuer cette pute de Sivir. Une fois qu'on arrive à tuer cette pute de Sivir, c'est win. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'elle se positionne archi bien à chaque fois. Alors, je vais prendre une côte épineuse. J'ai ma tête en 10. On est un archer, on est un archer, gogo. J'essaie de les zoner à derrière. Je vais prendre élixir de fer. Merde, je suis un connard de ouf. Mais c'est bon, ça va pas push. Je suis un connard, genre j'ai pas regardé la minute, je suis faut qu'on fasse Nashor. Dans ma tête c'était tout ce qui m'importait. Oh, merde. Nice. Ok, il va se tirer. On a fait 2 pour 1 sur ce move-ci. Mec, mais c'est quoi cette tankiness de ouf que j'ai? Oh non. Oh non.
Vas-y, mais ce qu'il faut, mais ce qu'il faut. Non. Aucun est mort là, vraiment. Mais sur ma vie, c'est chaud. Oh, nice, nice, nice. Mais non. C'est pas possible. Les mecs veulent pas mourir. Ils veulent pas die, c'est con. Casse les couilles. Vas-y, je pêche au bot. Pourquoi t'as pas fait Zizirot à ton âge? J'aurais bien aimé le faire, mais en gros, j'ai pas trouvé de moment pour le faire. J'aurais pas dû faire mon visage spirituel en fait. Ma seule erreur, c'est d'avoir fait le visage spirituel. J'aurais dû faire First Item Banner of Command. Ça m'aurait permis d'avoir une meilleure phase de lane. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû me diriger sur autre chose, mais là, c'était pas fou. Putain! Lissem, tu aurais dû prendre plus de CLR dans tes vœux NRB. Oui, c'est possible aussi. Car c'est vrai que, en gros, c'est une first time de Tius. Je me suis dit, bon, ça joue à peu près comme un Maokai. Je peux prendre les mêmes runes qu'un Maokai, ça devrait être bon. En réalité, pas du tout. Je les bump. Oh putain, j'ai voulu la ralentir. Je me suis dit, putain, faut que je sauve mon support comme un connard. Nice, leur LZ est archi low. Seulement une bonne cache passe. Ouais. Oh, il est passé à travers le mur. Nice, nice, tu es là. Ok, parfait, parfait. C'est bien, c'est bon, c'est bon. Il est tout seul. Le mec, il court tellement vite. Le gars qui vient de me mettre. Putain, mec, personne ne veut mourir. Genre, leur petit Shibono ne veut pas mourir. Bon, en tout cas, je joue vraiment comme un connard. Genre, je me dis, en gros, je surestime ma tankiness. Et ça, c'est une très mauvaise chose. C'est mon petit Zonia. Nice. Putain, mec. Allez, guys, c'est ton moment. Oh, mec. Ça fait du 2 pour 2, ça va. Putain, mec, je me suis arrivé au corps à corps. Je me dis, allez, on y va, c'est bon, ma team va suivre. Elle était archi loin, ma team. Hein. Fucking animals. C'est bon, en inhib, là, c'est pas mal. C'est pas un inhib, c'est pas mal. Mec, je me fais archi porter. C'est insane. Je kiffe Echo, c'est vrai, même si c'est pas ouf, c'est trop cool. Mec, c'est trop beau à jouer. Genre, moi, j'adore jouer avec un Echo qui joue bien. Car là, depuis tout à l'heure, il fait tellement le taf. Il a 14, 5, 7. Et il nous propose vraiment du beau jeu, tu vois. Contrairement à mon Nautiflus là, qui est dégueu, qui a justement le Typhus. Bah clairement, c'est pas le même niveau de jeu. Tu go en 1v5, bro, c'est pas fou. Ouais, mais c'est clairement pas fou. Mais en gros, je surestime trop mon pick, tu vois. Parce qu'en gros, avec des picks, genre, je sais pas, genre, bah ok, tu vois, j'aurais pu tanker si seulement. Enfin, après, c'est vrai que. En face, il y a quand même une civière à 15, 6, 18 qu'il faut pas sous-estimer. Mais tu vois, je me suis dit, bon, je tank, je suis Nautilus. Mais pas du tout. Parce que moi, à chaque fois que je donne une sus, tu vois, ils sont en 1v1000 et ils s'en battent les couilles. Ça, le truc aussi. Quoi? Il a QSS Ultimate là? Ah ouais. Vas-y, ils sont push mid, push mid, push mid. Finissant, finissant. Nice. C'est push mid, c'est push mid. Est-ce qu'il y a sa QSS? QSS instant? Nice. Nice route. Donc lui il peut pas tanker assez non plus. Donc il y a 3 buffs Nashor en moins là pour l'instant, c'est bien. Giga qui met sur la tour. Donc là c'est bon, je commence à être bien tanky. Mec, cette game n'a aucun sens. 39 minutes de jeu, là on est à fond dans notre game. Donc first time Nautilus n'est pas opti. Oh, killer, killer. Est-ce qu'on va refaire notre trap de merde, hein? Merde, j'ai eu le raid, j'en voulais absolument pas. Il va partir mon ultimate, putain! Ah, dommage. Seulement il a mis son ultimate avant, ça aurait été bon. Et ils sont combien là? Nice, ils ont réussi à tuer la civière, c'est parfait. Donc nous on était en 2v. 3 ou 4, je ne sais pas exactement. Mais... Et boum!
Boum. Et oui. Par contre, je suis précis au niveau des graves, c'est la précision même. J'ai pas de mana par contre, c'est chaud. Ah dommage. Allez, c'est ton moment, frère. Nice. Il est parti vers le haut. Donc 4 pour 1. Hein. Je vais TP, je vais TP, je vais TP. Je bats les couilles. Vas-y le mec. Ok nice, mon creep est en face de moi. J'ai perdu toute ma vie, tu sais. Vas-y, push ces putains de creep. Il y en a un milliard. Non, c'est pas possible, on peut pas finir là. Vraiment. Non, non, putain, me fait trop mal. Vas-y, à 3 mecs, on a pris 3 inhibiteurs. Si on perd cette game, c'est incroyable. Bon, par contre, je fais vraiment le connard depuis tout à l'heure. Hein. Ah, c'est clairement pas ma game. Vas-y, on va partir sur le Zizirot. Ah, elle me fait mal en fait. J'aurais peut-être pas dû partir là-dessus. Ah, quand même, VOD de la soirée de l'or. Je la mettrai certainement ce week-end, je pense. Il faut que je fasse encore un peu de montage et tout. Donc, ouais, laissez-moi le temps de faire le montage et après, je mettrai ça sur le YouTube game. Il tank trop le Vlad, ouais. Et après, le Vlad, en réalité, il est pas censé tanker autant, tu vois. Juste que moi je fais de la merde, et genre je suis resté trop longtemps. On a pris 3 inhibiteurs, le Nashor respawn quand? Le Nashor respawn dans 3 minutes, notre 4 Drake respawn dans 2 minutes. On a juste à accompagner nos creeps et ce sera bon en fait, je pense. Si on accompagne nos creeps, ce sera bon. Le Grace va acheter sa Yomu. Ok, faut le laisser back. Par contre, la Sivir elle peut tellement nous défoncer la gueule. Tu debuff l'AS quand Siv hit. Et quoi par le dessus? Hein? Mais non. C'est un mensonge que vous me dites là. Allez les gars, on y va, j'arrive, j'arrive. Faut pas se faire cache, faut pas se faire cache. Oh, la cache qui passe! Nice, le route, une auto. Ouais, dommage, si seulement il y avait pu avoir une auto de Jean et de... Et de Echoes. Faut attendre le lane. Faut m'attendre moi aussi, hein, car c'est moi la front lane, mine de rien. Même si on ne dirait pas. Je jure que c'est moi la front lane. Non, 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 oh non. Ulti, ulti. Oh merde, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde de ouf. On nous a tous défoncés. La Sivir nous a tous défoncés. Oh non, le Echo il a fait une game parfaite. Il a fait une game parfaite, putain. Oh! What the fuck, mec? Les dégâts qu'il vient de mettre, le. Comment il a défoncé? Comment il a fait un triple kill? Je crois pas. Il y a 4 super creeps ici. Allez les gars, allez-y les wignons. Défoncez tout ce qu'il y a en face de vous. Oh non, putain, c'est dommage que le Echo soit fait catch. Par contre là, la tour va tomber tellement vite. Allez hop, ça y va. Ça y va, wignons. Ah, par contre mec, trèche. C'était sûr. Allez, allez les wignons. Vous êtes les meilleurs. Tuez-moi ce Vladimir, tuez-moi ce vampire. Wignons! Allez! Mec, ça n'a aucun sens. Bon, il va quand même réussir à les dépêcher, mais bon. Putain, j'ai vu, il fait trop mal le Vlad en vrai. Ah oui, il fait vraiment, vraiment mal. Putain, quel dommage! Quel dommage que Vladimir soit en mesure de dépêcher tout, car avec n'importe quel autre champion, genre un champion qui n'aurait pas eu par exemple autant de dégâts de zone, ça aurait été le feu, on les aurait détruits. Donc le Thresh qui est mort sur ce move-ci, c'est parfait. Que puis-je faire? Cette game de mort, j'y crois pas. J'y crois pas, putain, ça fait 44 minutes qu'on est en jeu. Par contre, si on n'arrive pas à les défoncer là sur le prochain fight, ça va être la merde. Je pense qu'ils vont tunnel vision sur le Jean et sur le Echo. Moi, je vais devoir protéger mes alliés. Je vais essayer de les cover, mais le problème, c'est que la Sivir me fait trop mal en fait. Et ça, ça va être un énorme souci. Ça va être un énorme problème, ça. C'est clair qu'on doit attendre Jin pour faire un coup. J'arrive avec mon Zizirot. J'arrive avec mon Zizirot. Zbot. Oh shit.
Coming. On devrait l'avoir lui. Ouh c'est bon. Putain mais la civière, la civière. Nice, c'est bon, je l'ai eu, je l'ai eu. J'ai full focus. Oh non. Non. Je suis parti trop loin. Je suis parti trop loin, putain. J'aime trop les murs. J'aime beaucoup trop les murs là, c'est pas normal. Donc faut que j'arrive à push un peu au niveau des lanes. Oh putain, au bot là, y a au top, il y a tellement de creep. Protège seulement Jin, il deal le plus, c'est vrai. Mais honnêtement, Nautilus c'est tellement le genre de pick, tu vois, genre quand tu sais le jouer, je trouve ça insane, tu vois. Après vous me direz, il n'y a pas énormément de mécanique hein, sur le pick, mais je trouve que c'est vraiment aberrant quand même. Je dirais que ça peut mettre. Allez, allez mon Zizirot. Ça s'en branle, ça s'en branle. Ça peut Nexus, ça peut Nexus. Allez mes Zizirotes. Attends, tiens, je le tue pour la forme. Yes. Et c'est le GG. Et c'est à moi les 50 gold du Nexus. Et non, même pas, mais c'est la victoire. Oui. Oh, j'y crois pas. Ah, oh, c'était... Ah, c'était difficile. Oh, j'ai mis des grappes dans le mur. Ils ont fait archi plaisir. Hein. Les grappes dans le mur, ils étaient beaux. Par contre, en termes de tankiness, je pense que j'ai pas mal tanké. Dégâts infligés normal, j'ai pas infligé énormément. Hein. J'ai infligé 41 000. Dégâts subis, j'ai subi 50 000. Je subis un peu moins que le Graves. Par contre, le Graves qui lui a bouffé beaucoup, beaucoup de dégâts. Il est parti sur Danse de la Mort, gage de stack. Il a pas fait de mal Mortius. Mais mine de rien, il tankait vraiment énormément. Le Vladimir qui lui aussi a fait un bon travail de front lane. Mais bon, in fine, on porte la game. Et ça, c'est le beau jeu. Donc sur ce, juste après, on partira sur une petite game bronze russe. Donc ce sera juste après une courte page de pub. Si jamais vous avez fait cette game, si jamais vous étiez sur YouTube comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, abonnement, etc., etc. Et pour tout ce qui est sur live, je vous dis à tout de suite dans quelques minutes. Putain, je suis un monstre. Je suis un vrai monstre.